Yo tout le monde, c'est Yolande. Allô tout le monde, c'est Loana. Aujourd'hui, on est vraiment trop contente de vous filmer cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. C'est dégustation à la verve de chez Action. Alors oui, avant de commencer la vidéo, on tenait à vous dire qu'en effet, on a un nouveau décor. On vous a fait une vidéo qu'on vous met juste ici. Franchement, une vidéo, mais comment vous dire qu'on a tellement adoré filmer, qu'on a trop envie en fait que tout simplement vous allez la voir. Et surtout vous nous dites ce que vous en avez pensé, parce que nous vraiment c'est une vidéo qu'on a adoré filmer. Sinon aujourd'hui c'est la vidéo dégustation Action, en espérant vraiment que ça vous plaira. Si ce genre de vidéo vous plaît, vous voulez voir une partie 2 mais avec beaucoup plus d'articles, lâchez d'énormes likes et surtout partagez un max la vidéo. Alors pour vous résumer un petit peu la vidéo, on va tout simplement se rendre chez Action. Et Yolande va prendre 5 articles à l'aveugle chez Action, moi pareil, et moi par exemple je vais passer en caisse avec les articles de Yolande et inversement. Et comme ça au jour d'aujourd'hui on a chacun notre sac. Forcément moi j'ai pas vu ce que moi j'ai pris à l'aveugle, et Yolande non plus. Ouh, t'es dedans. Et du coup moi je vais déguster les 5 articles à l'aveugle, et la personne qui arrive à découvrir le plus de produits possible aura gagné. Donc c'est pour ça qu'on aimerait bien une partie 2 pour revanche. Dites-nous quoi en commentaire. Nous arrivons à Action pour acheter tous nos petits produits à l'aveugle. Donc nous sommes actuellement dans les rayons des gâteaux bonbons, notre rayon préféré à Action. Du coup on a trop hâte. On a aussi une autre petite idée. Yolande, elle va prendre de la nourriture seulement de Pâques, parce qu'en ce moment c'est la période de Pâques, c'est bientôt Pâques et tout. Donc du coup il y a plein d'articles de Pâques. Yolande du coup elle va piocher dedans des trucs. Du coup moi je vais piocher 5 articles comme on vous l'a dit, Loana 5, donc c'est parti. Alors maintenant on est à côté d'un petit rayon de Pâques, donc ici, là-bas et surtout là-bas. Yolande va commencer à choisir un petit article ici. Bien évidemment je lui dis de ne absolument rien regarder. C'est parti, t'es prête? Oui. Ça? Oui. Oh c'est trop bizarre. Vas-y, mets-le dans le panier. Merci. On change de rayon parce que là il n'y a pas grand chose en fait. Ouais ouais, allez go, c'est parti. Allez viens, tu as mis mon écharpe. Oui oui, c'est très bien. Là écoute, il y a un petit rayon. Où? Là? Ouais, ici. Ok, bon. Oh, toi, tu prends la facilité, tiens. Ça? Oui. Ok. Merci. C'est parti, tu me suis. Hop, rayon. Donc, c'est le dernier rayon de Pâques. Hein. Ici? Oui. Et les rayons, ils sont pas hauts. Non, ils sont pas hauts. Hein. Est-ce que ça, c'est bon? Ouais, est-ce que c'est bon? Je sais pas, mais ouais, pas mal. Allez, vas-y, passe. Merci. Alors écoutez, maintenant on est dans le rayon normal pour la simple bonne raison qu'il n'y a pas beaucoup de trucs de Pâques. Et du coup j'ai demandé à Yolande de choisir plutôt des boissons, etc. Donc tu vas choisir ici, Yolande. Vas-y, choisis. Okay. En bas, en haut, comme tu veux. Ça. C'est quoi ça, fait voir? Ensuite, je fais un dernier, je fais encore dans les boissons ou pas? Bah non, je fais un peu. Là-bas, il y a des sortes de chips, plein de trucs. Ok. C'est toujours stressant parce que je me dis, j'espère que ce que je vais prendre ça va pas coûter cher, ou j'espère que ce sera ouais, bon. Ouais. Oh my god, yeah. Vas-y, allez, on prend. Donc on va commencer je pense. C'est parti. Bah du coup je commence avec toi, te faire déguster les articles que t'as choisi. Vas-y si tu veux. Yeah. Donc comme on vous a dit, Yolande elle a choisi je crois 3 articles typiquement des trucs de Pâques et tout. Donc du coup, premier article c'est celui-ci. J'ai trop hâte. Je sais pas ce que ça va être. Oh my god, c'est un gros paquet. Ouais, regardez. Alors je t'en fais goûter un. Ouais. Ah ça, je suis sûre que tu vas aimer. Tiens. Alors déjà la texture, pour moi ça doit être un bonbon. Ouais. Ça sent la fraise. Oh j'adore. Donc alors là j'ouvre les yeux. Pour moi ça c'est un bonbon. Donc c'est Pâques. Comme tu sais. C'est une question. Est-ce que c'est un bonbon de Pâques? Ouais. Bah on dirait pas du tout que c'est Pâques, donc c'est pas terrible. Mais sinon ça la mûre et c'est trop. Donc je l'ai fait goûter des sortes de bonbons comme ça, vous voyez, c'est des bonbons hyper originaux. Un peu ça dur. Ça ressemble à ça. Et en fait tu vois, c'était dans un gros paquet comme ça. Et c'est le paquet où je t'ai dit tu prends la facilité, parce que c'est tout en haut et t'as pris ça. Le plus gros en fait. J'adore plein de petits paquets, moi j'adore les petits paquets de bonbons comme ça, trop mignons, trop cute. Je trouve que c'est original parce qu'ils font des bonbons pour Pâques. D'habitude ils font tout le temps des chocolats, ça permet de changer. Ouais. Bon après les goûts sont basiques. Pour le moment t'as bon parce que t'as dit que c'était un bonbon de Pâques. Donc t'as bon. Bah écoute, on va continuer avec Pâques. Donc petit truc comme ça. J'ai trop hâte. Wouh. Alors là, je valide. Non vraiment, je valide à 10 000%. Mon dieu, c'est quoi ce truc?
Tu vas me dire, mais c'est quoi? Tout se mange? Oui. C'est une cuillère que tu me donnes. Mais ouais, mais dedans il y avait une cuillère. C'est du chocolat Milka? Non. Oh my god. Donc à la fois, je te le dis, c'était, regarde, un truc comme ça de Pâques. Ah mais je suis choquée. Je donne la note de 10 sur 10. Ah oh ouais. Oh my god. Oh. Donc une cuillère. Oh. On dirait de... Ouah. Divin. C'est fort. Oh, c'est quoi ça? Pas faux du coup. Ouais. Donc un point sur deux. Mais franchement, foncez pour Pâques. Ceci n'est pas un placement de produit. C'est bien Yoyo, on continue. On va continuer avec ça. C'était une boisson que t'as pris, tu te souviens? Ah ouais. Ouh, ça pétille. J'aime pas quand ça pique. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, pour moi, c'est une boisson au citron qui pique. C'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. Bah, c'est pas bon. Mais c'est trop beau, arrête. Il faut aimer le piquant. 2 sur 3. Yeah. Bah, écoute, on va continuer avec ceci. J'espère que ce sera bon. Je sais pas si tu vas aimer. Wow, il y en a beaucoup. Bim. J'ai très très peur. C'est quoi cette matière? Alors j'ai l'impression que c'est du chamallow. C'est quoi ça? Alors je dirais que c'est un bonbon nature. Un bonbon nature pas bon. Pas du tout. Pas du tout. C'est quoi, je peux regarder? Haricot. C'est pas vrai. Si, si, je mais ils ont pas de goût. C'est pas terrible, j'avoue. C'est vraiment pas terrible. Alors moi, faut savoir que j'adore les abricots comme ça au barbecue. Et les abricots secs, ouais. J'adore, ça a plein de goût. Mais ils ont pas de goût, j'avais l'impression que c'était un bonbon gélatineux. 2 sur 4, yeah. Dernier produit. Tu peux croquer dedans. Oh my god. C'est trop bizarre, très dur. Je m'attendais pas à ça. Quand tu vas voir, tu vas pas t'attendre à ça du tout. Alors pour moi, c'est tout simplement du chocolat. Ouais, du chocolat. Du chocolat blanc, je dirais. Chocolat blanc? Je peux regarder? Eh ben non. Mais ce qui est très bizarre, c'est le fait qu'à l'intérieur, je m'attendais à un truc hyper moelleux. C'est là, c'est pas moelleux. Et ça, c'est Pâques. Ouais. En gros, c'est juste des chocolats en forme bizarre, quoi. Exactement. Donc écoute, bah, et. T'as du 2 sur 5. Ok. Alors, du coup, moi, ce que j'ai préféré, c'est tout simplement ça. Mon dieu, ouais. Mais c'est fort chocolat noir. Du coup, il faut aimer le chocolat noir. Ce que j'adore, c'est les petits bonbons, là. Le premier paquet qu'on vous a montré. Ils sont vraiment très, très bons. Eyeliner, il va partir. Mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. C'est parti. Oui, donc là tu te tournes derrière et tu prends 5 articles au choix. Ok, donc du coup je vais en prendre en hauteur et en bas, les deux. Ouais, pour changer. Ok, je commence. Donc là j'ai décidé d'en prendre un en hauteur. Oh là là, c'est très stressant. C'est peut-être ça. Ok. J'ai peur. Deuxième, je vais le prendre en bas. On va changer un peu. Un paquet. Ok. Continue. Vas-y. Il y a un petit tia, quelqu'un de robot qui me dit. Hein. Non, t'inquiète, y'a personne. En haut ou en bas? En bas. Ça. Ça? Ok. J'espère que c'est un truc qu'on a jamais goûté, parce que si on a déjà goûté, c'est grave nul. Ok. Il y en a vraiment plein, quoi, c'est ouf. Alors là, Lona, c'est ton dernier. Oh, excusez-moi. Bon, allez, c'est ton dernier article là. En haut ou en bas? Comme tu veux. Trop bizarre, voilà. Moi-même, je ne sais pas c'est quoi. Oh, si je sais c'est quoi. J'espère que j'ai pris des trucs bons quand même, hein. C'est quoi ça? Crois que si. C'est hyper moelleux à l'intérieur. C'est un petit goût de chocolat noisette. Et c'est chocolat... L'intérieur de la noisette. Bah alors en fait c'est des chocolats à la peanut butter. Donc je vais quand même te compter bon parce que bah peanut butter c'est quand même de la noisette. J'avais goûté l'extrémité. Ouh là là. Ah c'est très bon. J'avais goûté l'extrémité, autant pour moi. Donc j'en ai 11 dedans et c'est très très bon. Donc tu as 1 sur 5 pour le moment. Bah écoutez, je vous le conseille vachement. Maintenant nous allons continuer avec le prochain article. La fille sans live. Je sais c'est quoi, c'est nul. Tiens. C'est nul hein? Ouais. Oui, non, tu triches. Je triche pas, j'ai pas vu. C'est quoi ça? Du chocolat à l'intérieur. C'est que un truc au chocolat. Bah alors non, en fait c'est un truc de céréales cornflakes chocolat. Waouh, je m'attendais pas à ça. Ouais, bah, c'est nul. Donc c'est du céréales à l'intérieur. Ouais, en plus avec des amandes. Et bah écoutez, je vous le déconseille vraiment parce que nous il faut savoir qu'on les fait maison. Ouais, ils sont ils très sont bons. Divins. Et bah là on dirait même pas qu'à l'intérieur c'est des céréales. Après moi j'ai jamais été fan de ça. Donc bah j'ai faux. Maintenant.
J'espère que c'est bon. Ouh là là. Tiens. Merci. C'est quoi ça? C'est hyper gros. C'est mou, c'est gros. Ah, c'est de la guimauve, non? Vas-y, goûte, tu verras. Elle va direct trouver. Oh, pas les biscuits. Ouais, il est méga bon, il y a des bouts de sucre dessus. Waouh. Ah ouais, il est divin. Alors vraiment, si vous savez pas faire du pain d'épices ou quoi, bah achetez celui-ci à Action, il est très très bon. Il y a du pain d'épices à Action. Mais ouais. Alors pour moi, t'as deux. Alors on va continuer avec ça. Ok, ça ressemble à ça tout simplement. Je m'attendais absolument pas à ça. Oula. Tiens, merci. C'est carré. Wow. Ah, je me cassais une dent. Du chocolat, au lait. Ouais. C'est nul. En fait, le packaging, il est hyper original par contre. On dirait des médicaments. Et c'est le truc que t'as rigolé quand je t'ai pris. Ouais. Médicaments, des fruits, je ne sais quoi. En fait, c'est du chocolat normal. Pour moi, t'as 3 sur 4. Je suis déjà battue. Alors, tout simplement, le dernier, c'est ça. C'est très original. Comment ouvrir ça? Yolande n'a pas doué. Regardez, c'est vraiment super sympa. J'ai goûté. C'est une forme trop bizarre. Oh! Tu n'aimes pas? C'est hyper bon, on dirait de la mousse. Waouh! Du chocolat avec de la mousse à l'intérieur. Bah, allez, je vais dire que t'as raison. Wow, c'est tous des petits cups comme ça. Super mignon, super original et très très bon. C'est un quoi lui? Ah. Ici, on a un truc vert, je vais goûter. Quel goût ça? Chocolat, ouais. Ouais, ouais. Ils mettent juste du colorant en fait. Bah, c'est toi qui as gagné. J'ai gagné! Wouh! Moi, je veux ma revanche, donc likez énormément la vidéo pour m'encourager à faire une partie 2. Que je prenne ma revanche, qu'on fasse avec plus d'articles. Comme ça, j'aurai le temps de battre, de gagner. En tout cas, moi, vraiment, mon article préféré, je vous avoue que je pense qu'en réalité, c'est celui-ci. Et en fait, le peanut butter à l'intérieur est vraiment hyper bon. Mais le pain d'épices aussi, il était très bon. Oh, le pain d'épices aussi, mon dieu. Donc écoutez, vraiment, si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. En commentaire, surtout. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et surtout, gros bisous à vous. Et merci vraiment d'être de plus en plus sur la chaîne. Nous, on vous aime énormément. Sachez que on lit tous vos commentaires, tous vos messages sur Instagram qu'on vous affiche ici. Ça nous fait tellement plaisir de voir que la communauté elle grandit et que vous êtes toujours aussi mignon, toujours aussi gentil avec nous. Vraiment merci pour tout, vous nous apportez toujours beaucoup de conseils, beaucoup d'informations sur Instagram, sur YouTube. C'est que comme Yolande vous dit, on répond à tous vos commentaires. Voilà, vous êtes les bienvenus en commentaire, on va vous répondre. C'est nos grosses dédicaces à tous les Belges parce que faut savoir qu'on a été à Action en Belgique pour faire cette petite vidéo. Donc grosse dédicace à vous, gros bisous, on vous aime. On espère vraiment du fond du cœur que cette vidéo vous aura plu. Nous, ça a été un plaisir de filmer cette vidéo. On adore le magasin Action. Sur ce, on fait à tous plein d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.